Alors nous voilà à Rantabrin, à la Roque d'Anteron, où je fais mon petit échauffement tranquillou en passant devant l'église. Alors mon poteau, ça va? Donc merci à vous d'être là. Oui voilà, oui. Donc ouais, cette année il y a déjà le soleil par rapport à l'année dernière. C'est déjà ça de gagner. Donc une deuxième édition toute nouvelle. Avec le deuxième parcours qui a été créé et celui-là qui est tout neuf, tout nouveau, avec un peu plus de collines. Donc sur les hauteurs de la roque, là-bas, en gros, vous serez à 3-4 km. Mais il y aura 3, 4, 5, 6 km de belles petites ascensions. Donc merci à vous d'être là. J'espère que vous êtes tous en forme. On va essayer de donner le meilleur de vous-même et de faire de belles pertes. Ça fera des chronos de référence pour l'année prochaine. Donc on va partir dans ce sens, vous verrez. Il y aura au bout de 500-600 mètres, vous allez avoir une petite ascension, vous allez passer dans la rue commerçante. Et après derrière, ce sera une grande avenue, donc c'est du bitume. Mais après, dès que vous allez voir les sentiers, vous pouvez vous dire que vous en verrez. Donc je vous souhaite à tous une bonne course, on est dans les temps. On est dans les temps, donc on va donner un départ comme ça. Essayez de ne pas partir de ce qu'on a. Juste pour nous, merci José. S'il vous plaît, on peut applaudir José, nos amis bénévoles. Allez ma fille, championne du monde. Popom 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 pom 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 pom. C'est parti pour cette suite de l'émission.
Bon, la Geneviève est partie beaucoup trop vite. Impossible de la suivre. J'ai plus du tout les rythmes dans les jambes, je sais plus, je sais pas à quelle allure je cours. Complètement paumé. Bon, allez. Kilomètre 5, bon ma foi ça va, sans forcer son talent, le cardio ça a l'air d'aller, 170 quand même. Passage en mode sentier, avec quelques flaques. Merci les bénévoles. Deux kilomètres 15. Commence à tirer. Super les bénévoles, merci. Ouais. 3 km 30. Super les bénévoles. Merci pour tout. 11,42 de moyenne. Ça va. Allez, allez, oh, allez. L'excuse pour pas courir. Oh là 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 là. Je suis venu en vélo, moi. Ah. Kilomètres, j'ai faibli un peu, 11,39 de moyenne, mais il faut dire que j'en ai plein le cul. C'est dur, la dernière grimpette, très dur. Maintenant c'est l'arrivée. Kilomètres à pied, ça use, encore 500 mètres, super, merci la police. Incroyable. Ça a tenu. Mais bien sûr que ça tient. Mais j'en chie, hein. Bravo, bravo. Oh putain. Allez, vas-y.
à droite. Hein. La demi-heure d'arrivée. Et on a Cécilia qui vient d'arriver. Je ne te parle plus. Alors on va se rappeler quelques instants l'année dernière, c'était humide. Hein. Petite boucle roncassière, terminée. Alors en Amérique. Je dois faire 4 je pense. C'est pas, je vais voir. Il y a encore un bout, hein. Il y a encore un gros bout à faire. Allez, vas-y. Hop là. Allez. C'est encore un gros bout là. Hein. À droite. Vous allez, on part à droite là-bas. Allez, appuie. Ensuite, vous avez Ravito, bien sûr, comme vous avez vu. Allez Christian! Allez! Allez, on reprend ici. Et ça donne plus que ça! Oh, c'est Martigues, on va vous voir le 23 juin, Martigues Caron, la SLC Martigues. Venez, c'est le retour des sardines et des pastèques à Martigues. À Caron, c'est magnifique! Parti de Martigues, d'arriver à Caron. Une course magnifique le 23 juin. Bien sûr, vous avez aussi la nocturne de Puy-Ricard le 29. Le 29 juin. Bravo! On a le cinéaste, on a le Spielberg de la course à pied, il est là. Allez, bravo! Bravo! En première, elle termine en 22 minutes et 23 secondes. Je vous demande d'applaudir notre vainqueur, Blandine Bouquet, s'il vous plaît. Elle est là, elle arrive. Allez, donc on va laisser remettre les lots. En attendant, une petite interview. C'est normal. Allez, je vous laisse remettre les lots. Et je vais commencer par le troisième. Que j'ai interviewé. Irinée Guérin. Bravo Irinée. En 29 minutes et 8 secondes. Pourquoi il t'appelle pas? Merci. Et donc tu gagnes le sponsor Running Conseil Avignon. Tout à fait. Très bien, merci Irinée. On va enchaîner avec les Master 7. Et je voudrais applaudir Alain Dio. Oh, ça fout pas. Il est sur toutes les courses, Alain. 30 minutes et 48 secondes. Allez, on enchaîne avec les Masters. Bravo à vous, on peut les applaudir. Allez. On a les deux masters, c'est 22e course aujourd'hui. Et il est déjà là,
il porte bien son nom de baroudeur, vous le voyez sur toutes les courses. Donc, c'est les Master 6, Master 6, bravo à vous. Bravo à vous. On peut les féliciter. Il y a pas... Bravo. On peut les applaudir Master 5. C'est des bons. Je dois applaudir Karen Rogier. Karen Rogier. Il a son petit palito avec Karen. C'est la famille. C'est la famille. C'est la famille. Bon, allez. Master Zero, Guillaume Requier. Est-ce que Guillaume est ici? Guillaume Requier, une fois. En vrai, Guillaume, je suis vraiment dégoûté. Hein. Un petit foulé comme avec son foulé. Parfait. Les voisins, la foulée du Foussa début février, une belle course. Première fois ici? Ouais, mais l'aéroman, ça circulait pas, c'est pas possible. Mais il a raison, c'est surcoté l'Ironman, hein. Bravo, bravo à vous. C'est bon pour José, c'est bon pour toi, pour les lots? Bravo.